Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 5 traits d'horreur terrifiants. Au programme aujourd'hui les amis, on a du gore, de la peur, du meurtre et un tout petit peu de magie noire, mais vous allez voir, ça tombe pas forcément dans le paranormal. Et bien sûr, comme d'habitude, beaucoup de frissons. Je suis un animateur TV des années 80. Très rapidement, en deux speaks comme disent les jeunes, j'ai toujours pas fait vos post-it. C'était censé être fait pour le tournage, je l'ai pas fait. Désolé. C'est honteux. Et d'ailleurs, un petit tableau qui m'a été envoyé par deux jeunes, je vais aller le chercher, je vais bouger mon cul. Comme je le disais, un petit tableau qui m'a été envoyé par deux personnes très sympathiques. Putain, je suis vraiment, mais je dois être en pension en EHPAD là, c'est pas possible. Ils font des tableaux avec l'intelligence artificielle et il y a mon petit nom inscrit quelque part ici. C'est très cool, le lien est en description. C'est pas monétisé, c'est pas rémunéré non plus, c'est pas une sponsor quoi. C'est juste que c'était sympa de leur part de me l'envoyer. Et si jamais c'est fabriqué en Chine, je le sais, c'était écrit sur la boîte. Donc voilà, je le précise, comme ça je me retrouve pas dans une sauce ou quoi. Surtout pas une sauce à la crème, comme sur mon cul par exemple. Elle est vire, l'envie du vrai. Les amis, je précise comme d'habitude que la vidéo peut choquer. Âme sensible, passez votre chemin. La vidéo est déconseillée au moins de 16 ans. Et sans plus attendre, on va passer à la première histoire. Et je l'ai pas dit, mais les histoires sont crescendo. Non pas comme l'entreprise de restaurants Crescendo, comptant 66 restaurants ainsi que 1600 salariés en 2013. En 2013, elle a un siècle, cette statistique. On l'a retrouvée dans le désert de Gobi à côté d'un mammouth. Bref les amis, tout ça pour dire que les histoires sont de pire en pire. Et sans plus attendre, on va passer à la première. La première histoire, faut que je vous mette un petit peu dans le contexte pour que tout le monde comprenne. Et à l'époque, rappelez-vous, les pranks étaient beaucoup à la mode sur internet. C'était vraiment genre le truc du moment et ça l'a été d'ailleurs pendant longtemps. Et justement, en 2017, alors que la mode des pranks, elle est genre à son prime, il y en a une en particulier qui va dépasser toutes les autres. Et notamment parce qu'elle a été magnifiquement bien exécutée, c'est genre une masterclass, qu'elle a énormément fait parler d'elle. Et vous vous en doutez, hein, si elle est dans cette vidéo, c'est aussi qu'elle est à l'origine d'un fait divers affreux qui va vraiment dépasser genre les frontières du pays en question et qui est assez horrible. Notre histoire, elle commence donc la nuit du 4 février 2017. Et cette soirée-là, City Asia passe la soirée dans un bar-restaurant nommé le Hard Rock Café qui se situe à Kuala Lumpur et qui est du coup la capitale de la Malaisie. Cette soirée-là, City dîne avec ses collègues de travail lorsqu'une serveuse arrive avec un gâteau d'anniversaire et le pose sur la table. Il s'agit effectivement de l'anniversaire de City et émue par la surprise, elle se lève timidement et souffle sa 25e bougie. Faut savoir que contrairement aux apparences, la vie de City n'a pas toujours été si simple et joyeuse. Elle a grandi dans un petit village en Indonésie en plein milieu de la jungle, c'était la plus jeune de sa fratrie, elle vivait avec des parents qui galéraient à mettre du pain sur la table et vraiment c'était un tel point qu'il n'y avait même pas assez d'argent pour l'envoyer à l'école et il la gardait à la maison pour travailler avec eux dans les champs. À l'âge adulte, City elle se marie et elle met au monde un enfant avant de divorcé d'un père qui ne donne pas vraiment la moindre aide financière. City se retrouve donc avec un enfant à charge, sans argent et devant en plus subvenir aux besoins de ses parents qui n'ont juste pas assez d'argent, ne serait-ce que pour survivre. Elle se retrouve donc dans l'obligation de devoir aller chercher du travail ailleurs et laisse derrière elle sa famille et son garçon. Elle émigre de l'Indonésie et immigre du coup en Malaisie. Là-bas, elle va trouver un petit job en tant que réceptionniste dans un hôtel qui s'appelle le Flamingo Hotel. La vie de City se résume donc à métro boulot dodo. À chaque fin de mois, elle envoie la majorité de son salaire à sa famille et elle n'a donc pas de vie ou de loisirs en dehors de sa vie professionnelle. Néanmoins, un soir d'été, elle décide qu'elle a quand même bien mérité de s'amuser un peu et elle part boire un verre avec des collègues de travail dans un bar nommé le Beach Club Café. Et c'est dans ce bar-là que sa vie va basculer lorsqu'elle fait la rencontre de James. C'est un homme charmant, d'apparence fortunée, qui vient l'aborder en lui demandant si elle a déjà joué à la télé, genre dans des films ou dans des séries, parce qu'il trouve qu'elle a beaucoup de potentiel. City, un petit peu gênée, lui répond simplement qu'elle aimerait bien essayer si l'occasion se présente, et James l'emmène alors prendre un café et lui explique qui il est. En fait, il s'agit d'un très grand producteur pour la télévision japonaise, il est spécialisé dans les pranks et les caméras cachées, et il lui dit aussi qu'il est convaincu qu'elle serait parfaite dans l'une de ses émissions, et que si elle est d'accord, il aimerait bien faire un test avec elle. Au début, elle trouve sa proposition un peu étrange, et étant donné que le format il était ultra populaire à l'époque, il arrive vite à la convaincre, et City elle joue donc dans ses premières vidéos de prank qui fonctionnent plutôt bien. Et c'est lors d'une journée complètement banale, lorsqu'elle est au travail, que sa vie va basculer, dans le positif pour l'instant. James, qui était assis au bar de l'hôtel et qui discutait avec City, lui montre un message écrit dans une langue qu'elle comprend pas forcément, et James lui explique que l'une des caméras cachées qu'elle a tournées a complètement
vraiment explosé en Corée et que genre là-bas c'est devenu une superstar. Et depuis cette vidéo, sa vie elle a complètement changé. Elle a d'abord démissionné de son travail en hôtellerie, elle s'est focus à 100% sur les caméras cachées et à chaque fois c'est un carton international. Elle devient rapidement très connue, elle voyage dans le monde entier pour filmer des pranks toujours plus ouf les unes que les autres et les producteurs qui voient les stats atteindre des sommets qu'ils n'avaient même pas espéré décident de la faire jouer dans encore plus de pranks et elle devient donc encore plus connue. C'est un joli cercle virtueux qui va régir sa vie en fait pendant des mois. De retour dans notre histoire, City elle finit de manger son morceau de gâteau d'anniversaire, elle regarde l'heure et elle se rend compte qu'il commence à faire tard et qu'elle devrait du coup y aller. Même s'il semble très tôt pour la majorité de ses collègues, notre amie tourne le lendemain l'une des pranks les plus abouties et les mieux rémunérées de sa jeune carrière. Elle veut donc mettre toutes les chances de son côté puisque cet argent sera directement envoyé à sa mère pour nourrir sa famille et son enfant. Elle rentre donc à la maison, elle appelle une dernière fois sa maman comme à son habitude avant de se coucher de bonne heure pour être en forme le jour suivant. Cette nuit-là, City elle tente de s'endormir tant bien que mal mais impossible de fermer l'œil. Elle est trop excitée à l'idée de tourner dans cette énorme caméra cachée et surtout elle espère pouvoir plaire aux producteurs qui lui offriront peut-être d'autres opportunités si elle se débrouille bien. En plus, il s'agit d'un prank qui a été mûrement réfléchi et discuté avec toute l'équipe pendant des semaines. Elle a donc d'autant plus la pression. Autre chose de très important à connaître avant d'avancer dans l'histoire, c'est que habituellement, City, elle fait ses pranks toute seule. Mais étant donné l'ampleur de celle qu'elle s'apprête à faire, elle sera accompagnée pour la première fois de deux autres acteurs. Il y aura une femme qui sera complice du piège et qu'elle a déjà rencontré quelques fois, et il y a un homme qui sera complice du prank et qu'elle rencontrera demain au moment du tournage. Très importante cette information, gardez-la en tête. Finalement, City elle s'endort et très tôt le matin, elle se prépare et elle prend la route vers le lieu de tournage de la caméra cachée. En arrivant, elle rencontre directement la deuxième actrice nommée Doan Thi Hung, désolé pour l'accent. Une jeune femme de 28 ans originaire du Vietnam. Elle aussi, elle vient d'une famille pauvre et comme elle, Doan elle a été recrutée par James pour faire des caméras cachées qui l'avaient rendue très populaire. Alors que les deux jeunes femmes sont en train de discuter, l'un des producteurs qui était présent ce jour-là aperçoit un homme avec un veston gris et une mallette à la main et pour la majorité des gens, il s'agit d'un monsieur tout à fait banal. Mais pour eux, en réalité, il s'agit du troisième acteur qui se dirige vers le checking de sécurité, ce qui est aussi le signal pour que le prank commence. On donne alors un flacon de parfum à City qui est censé lui être aspergé sur le visage dans le scénario qui a été prévu. Et à côté d'elle, il y a Doan. Elle aussi, elle est équipée d'un gant qui a été trempé dans un liquide épais pour que ça colle, ainsi que des serviettes imbibées de produits. Elles sont toutes les deux prêtes et elles commencent le prank. Le complice en question, il est en train d'enregistrer son billet sur une borne automatique et comme convenu dans le scénario, City et Doan, elles se mettent à sa droite et à sa gauche. Doan, elle passe derrière le comédien, elle lui étale sa serviette mouillée sur le visage et ensuite c'est au tour de City qui va lui asperger du parfum dans la figure avant de partir en courant. Et voilà, le prank est filmé, terminé, bonsoir. City ensuite elle se dirige rapidement vers les toilettes afin d'essuyer les produits qu'elle a encore sur elle et sur ses mains. Ensuite elle se recoiffe rapidement, elle retourne dans l'aéroport où elle doit rejoindre toute l'équipe qui l'attend du coup pour débriefer. Sauf qu'au point de rendez-vous, il n'y a personne. Genre, il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas d'équipe de tournage, il n'y a pas de producteur ni de piégé. Elle se dit que tout le monde a déjà rangé le matériel, ils sont en train de faire leur débrief un peu plus loin et ils doivent sûrement l'attendre au kiosque de taxi pour repartir. Là, elle y va et encore une fois, il n'y a pas la moindre trace de qui que ce soit. Elle envoie alors un message à son producteur, James, qui ne lui répond pas. Un peu agacée par la situation, elle décide de sortir de l'aéroport et d'appeler un taxi. Sur le chemin du retour, elle commence à avoir la nausée, elle a des maux de tête. Au début, elle se dit que c'est à cause de l'alcool qu'elle a bu la veille et en fait elle se rend compte que c'est la voiture qui la rend malade et dans tous les cas en fait elle a pas le choix que de demander au conducteur de s'arrêter et de vomir tellement elle se sent mal. En rentrant chez elle, elle regarde à nouveau son téléphone et il y a personne de l'équipe qui lui a encore répondu. Elle décide donc d'aller se coucher, elle prend quelques heures pour elle et en fait elle se sentait tellement pas bien qu'elle dort jusqu'au lendemain matin. Au réveil, City elle se sent beaucoup mieux, elle a pu se reposer correctement toute la nuit, sauf que quelque chose la chagrine, elle a toujours aucune nouvelle de James. Elle se décide finalement à l'appeler et elle tombe directement sur un message vocal qui lui fait froid dans le dos. Il y a une voix robotique qui lui annonce simplement que le numéro qu'elle tente de joindre n'est pas attribué. Autrement dit, celui-ci n'appartient à personne. Pourquoi James aurait-il soudainement supprimé son numéro et où se trouve toute l'équipe de tournage? City, elle commence à se poser plusieurs questions. Déjà, elle se demande si le prank il a mal tourné, si elle a fait une erreur qui aurait pu faire tomber à l'eau la caméra et que les producteurs juste lui en veulent à mort et qu'ils ont décidé de la virer sans rien lui dire. Et évidemment, elle se demande est-ce qu'elle va être payée puisque sa famille compte sur elle pour
pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Finalement, City, elle va passer sa journée puis sa soirée à attendre une réponse qu'elle n'aura jamais, et un petit peu énervée par la situation, elle prend la décision de rentrer chez elle, près de sa famille et près de son fils. Donc elle se dit, demain matin, je me casse. Elle prépare alors ses affaires à la hâte, elle prévient sa maman qu'elle sera de retour dès demain, puis elle se dirige à l'aéroport pour prendre le premier avion vers l'Indonésie. Arrivée sur place, City, elle enregistre ses bagages, elle se dirige vers la sécurité, et elle remarque à ce moment-là qu'il y a des gens autour d'elle qui commencent à s'affoler et à s'écarter. Elle regarde alors au loin, et elle voit une unité d'intervention se diriger à blinde vers elle, en sa direction. Le premier réflexe qu'on aurait eu, c'est que elle se pousse et elle essaie de comprendre d'où vient la menace, et surtout quel est le danger. Sauf que, à sa grande surprise, les forces de l'ordre s'arrêtent à côté d'elle et lui demandent de se rendre immédiatement, tout en braquant leurs armes sur elle. Au début, City, elle est complètement perdue, elle comprend pas du tout ce qu'elle a fait de mal, et après quelques secondes, elle se dit qu'il s'agit sûrement de la suite du prank de l'aéroport, et qu'en fait, James et les producteurs, ils ont pas disparu, et ils lui répondaient pas simplement parce que ça faisait partie du plan, et que c'est elle-même qui s'est fait piéger. Du coup, City, elle leur dit qu'elle a compris, elle sait que c'est une caméra cachée, que James est pas trop loin dans les parages, sauf que les policiers, ils finissent de lui mettre les menottes, et lui disent droit dans les yeux, c'est pas une blague. Vous êtes en état d'arrestation, et la raison pour laquelle elle s'est fait embarquer, elle est juste complètement folle. Et pourtant, elle est totalement vraie. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter à ce fameux grand prank élaboré pendant des semaines et qui devait se dérouler dans l'aéroport. Une fois que Doan et City ont aspergé le complice de produits, elles se sont séparées et l'homme a commencé à se sentir un peu étourdi. Il s'est du coup dirigé vers une hôtesse de l'air pour lui demander son aide, et voyant qu'il marchait de façon un peu déséquilibrée et qu'il transpirait énormément, il a tout de suite été conduit aux urgences de l'aéroport, et une fois là-bas, son état s'est considérablement aggravé. Il leur dit qu'il souffre énormément, qu'il a du mal à respirer, et tout de suite après, il tombe par terre et commence à faire un arrêt cardiaque. On appelle immédiatement une ambulance qu'il conduit à l'hôpital, et malheureusement, l'homme décède avant d'être arrivé. Pour l'instant, c'est un tragique événement, mais ni City ni Doan n'auraient pu prévoir qu'une telle chose arriverait. Et en effet, elle ne le savait pas, mais les producteurs, eux, si, puisqu'ils l'ont tout simplement planifié. En réalité, James et son équipe n'étaient pas réellement producteurs. Ils ont plus tard été retrouvés et il s'avère qu'ils sont tous membres des services secrets coréens et qu'ils faisaient partie d'une mission très secrète et tellement dangereuse qu'ils n'ont pas eu le choix que de vivre sous couverture pendant des mois et même d'inventer un casting pour des caméras cachées pour rendre crédible leur couverture. Lorsque City et Doan ont réalisé leur prank dans l'aéroport, le parfum et les serviettes étaient en fait imbibés d'un produit extrêmement toxique nommé le VX. Faut savoir que les produits qui étaient dans le flacon de parfum et les gants de Doan, ils sont inoffensifs lorsqu'ils sont séparés. Mais dès qu'on les mélange entre eux, par exemple sur le visage d'un inconnu, celui-ci se mélange, devient mortel et peut tuer n'importe qui en quelques minutes. Et en réalisant leur caméra cachée, City et Doan ont mixé les produits formant du VX et ont donc condamné la personne dans l'aéroport. D'ailleurs, cette personne, vous vous en doutez, n'est pas un acteur pour le prank, mais un homme nommé Kim Jong-nam, qui est ni plus ni moins que le frère du fameux dictateur Kim Jong-un. City et Doan ont donc fait partie, contre leur gré, d'une des plus grosses opérations d'assassinat du 21e siècle, sans jamais se douter une seule seconde qu'il s'agissait d'autre chose que d'un prank pour la TV japonaise. Et le pire, c'est que certaines sources tendent à dire que c'est Kim Jong-un lui-même qui a autorisé en personne l'opération qui visait à éliminer son propre frère. Au début, City et Doan, elles ont été arrêtées en Malaisie, et là-bas, en fait, c'est directement été condamné à mort. Mais finalement, elles vont être libérées parce qu'on a découvert qu'elles étaient elles aussi victimes de ce plan un peu funeste. Et du coup, pour finir, les maux de tête et les maux de ventre que City elle a ressenti en prenant son taxi pour retourner chez elle, en fait, ça avait rien à voir avec l'alcool qu'elle avait consommé la veille, mais c'était juste les symptômes d'un empoisonnement au VX qui, heureusement, l'a pas tué parce que la dose était pas assez élevée. Les amis, histoire absolument incroyable, je vous l'ai dit, c'est crescendo. Et même si ça paraît incroyable, toutes les histoires sont vraies, donc les rageux peuvent aller regarder dans la description au lieu de commenter des insultes pour me dire que je dis n'importe quoi. Voilà, merci, bonsoir. On passe à l'histoire suivante. La prochaine histoire est celle de Cheryl Pitre. En français, c'est terrible. En anglais, c'est Cheryl Pitre, je crois, un truc comme ça. Ce sera Cheryl Pitre pour cette vidéo, les amis. Elle travaille dans une petite supérette nommée PJ's Market à Washington et elle y est employée comme caissière. Pour que vous puissiez cerner le personnage, Cheryl, c'est genre la femme extrêmement gentille et bienveillante. Au travail, tout le monde l'adore. D'ailleurs, il est si facile de discuter avec elle qu'à certains élèves qui ont pris l'habitude de venir la voir au travail après les cours pour pouvoir juste taper la discute. Cheryl, elle est vraiment
connu comme étant un ange avec n'importe qui, et elle a si bonne réputation qu'on raconte qu'elle n'a jamais parlé dans le dos de personne, elle a jamais jugé quiconque, et elle a jamais été désagréable avec même les pires clients. D'ailleurs, cette journée-là, l'étudiante qui est venue discuter avec Cheryl lui annonce qu'elle vient de trouver un petit appartement en ville et que l'emménagement risque d'être assez compliqué parce qu'elle manquait un petit peu d'argent et que ça coûte cher d'acheter des meubles et de pouvoir se nourrir les premiers mois. Cheryl, en entendant son histoire, ne peut s'empêcher d'être Cheryl et lui propose de lui donner quelques meubles pour pouvoir emménager convenablement et lui donne au passage une barre de chocolat qu'elle lui paie pour la féliciter d'avoir eu son premier appartement. Et d'ailleurs, ce comportement, il est typique de Cheryl, et malgré les finances qui suivaient pas toujours étant donné qu'elle élève seule sa petite fille de 9 ans dont le père n'est pas très très présent, et en même temps qu'elle joue le rôle de maman poule, elle donne son temps libre à des associations où elle va aider des amis pour leur CV. Donc c'est vraiment le cliché américain par excellence de la femme forte qui élève son enfant toute seule et qui fait tout le bien autour d'elle, et du coup ben voilà, c'est cool pour elle. On va arrêter de l'associer maintenant, ok? D'ailleurs, il n'y a pas que la personne qui est cliché, parce que même son quartier, il est typique des endroits pauvres aux États-Unis. Il y a une maison isolée, sale, mal entretenue, il y a des problèmes de criminalité partout dans le quartier, et il y a même quelqu'un qui s'est d'ailleurs fait tirer dessus et qui est mort pas loin de chez elle. Pour en revenir à notre histoire, l'étudiante qui discutait avec Cheryl est partie, et comme chaque nuit, elle termine vers 23h. Elle compte sa caisse, elle met l'alarme du magasin, elle verrouille la porte et elle rentre chez elle dans sa vieille voiture typique des classes moyennes américaines. Cheryl, elle sait qu'elle n'a pas beaucoup de temps avant de retourner travailler parce qu'elle reprend le lendemain matin à 7h du mat. Néanmoins, cette soirée-là, il y a un homme nommé Roland Pitre, qui est au passage du coup l'ex-mari de Cheryl, qui regarde sa montre et il se rend compte qu'il est déjà 23h15 et que Cheryl a terminé le travail. Et qu'il est donc temps pour lui de reconquérir son ex. Il est aussi extrêmement excité à l'idée de dévoiler à son ex-femme sa grande surprise qu'il a préparée pour la refaire tomber amoureuse de lui. Ça fait quelques semaines qu'il travaille sur son projet et en fait celui-ci il est très simple, il va simplement se rendre chez elle, il va s'excuser pour toutes les bêtises qu'il a fait et il va lui faire sa déclaration en lui expliquant qu'il a besoin d'elle et qu'elle a besoin de lui et tout va rentrer dans l'ordre. En plus il sait que sa fille elle va être très émue de revoir ses parents ensemble et du coup il sait que c'est la bonne chose à faire. Faut dire que notre ami il a bien merdé parce que le divorce c'est quand même un petit peu de sa faute, même si en réalité dans un couple c'est jamais totalement la faute de l'un ou de l'autre, là vraiment c'est quand même pas mal de sa faute. En fait ils se sont rencontrés il y a 12 ans, Roland il était à cette époque sergent dans la marine, il était aussi instructeur de judo et il avait un charisme qui a tout de suite tapé dans l'œil de Cheryl. Et pourtant Roland, il avait pas très bonne réputation parce qu'en fait il trompait toutes ses anciennes copines et il inventait des stratagèmes et des excuses ultra élaborées pour pas se faire choper. D'un autre côté, Cheryl elle avait pas trop confiance en elle, elle se trouvait pas très jolie et du coup c'est pour ça qu'elle s'est rapidement attachée à Roland. Finalement les deux commencent à sortir ensemble, ils finissent même par avoir une petite fille, un joli mariage rapidement gâché parce que Roland va tromper Cheryl juste après la naissance de sa fille d'ailleurs. Cheryl l'apprend et la séparation est imminente. Là où ça devient problématique, c'est que la femme avec qui Roland a trompé Cheryl était elle aussi mariée. Et du coup, notre ami Roland, il a alors jugé bon d'établir un plan pour tout simplement tuer le mari de sa maîtresse. Heureusement, c'est un gros fail qui résulte en un jugement pour Roland qui s'en sort avec 6 ans de prison, car manque de preuves pour savoir si c'est bien lui qui a commis les meurtres ou pas. Et oui, parce que je l'ai pas précisé, mais le mari de sa maîtresse, il est bel et bien mort, il a été assassiné. On sait juste pas si c'est Roland qui est l'auteur du meurtre ou s'il a juste commandité l'attaque. D'ailleurs, c'est durant ses années en prison que Roland se rapproche de son ex-femme Cheryl, d'abord en s'écrivant des lettres, puis finissent même par se remarier lorsque Roland est encore en prison, et lors de sa libération, il ira même s'installer avec sa femme et sa fille, et ils auront un deuxième enfant, un garçon cette fois-ci. Roland cherche à nouveau du travail, il est engagé en tant qu'infirmier, et vous l'attendez le moment où je vous dis qu'il a merdé, hein. Roland trompe à nouveau Cheryl. Voilà. Ça devait arriver. Cette fois-ci, Cheryl en a marre, elle décide de divorcer une bonne fois pour toutes et de le jeter de sa vie. Nous sommes de retour en 1988 et Roland, il attend patiemment 23h15 pour prendre sa voiture et aller reconquérir Cheryl. Il se lève rapidement de son canapé pour prendre sa veste et il sent tout de suite que quelque chose ne va pas. En fait, il a atteint de graves problèmes de pression sanguine qui font que s'il se lève trop vite, il voit des étoiles un peu partout et il peut aller même jusqu'à s'évanouir. Sûrement que ça vous est déjà arrivé, genre vous vous levez trop vite et genre là vous vous sentez un peu bourré. Bah lui ça lui arrive genre fois 10 et cette nuit là il va même aller jusqu'à tomber dans les pommes. Finalement peu de temps après il revient à lui assez difficilement et il est tellement dans les choux qu'en fait il grimpe dans son lit, il va se coucher avec sa copine. Oui, je sais, dites rien. Le lendemain matin, à 7h, devant PJ's Market, c'est l'étudiante qui était venue pour les meubles de Cheryl ainsi que quelques clients qui attendent patiemment que le magasin ouvre et qui se demandent pourquoi Cheryl n'est toujours pas là. Comme tout le monde vit dans le même petit quartier, tout le monde connaît Cheryl et du coup, tout le monde sait qu'elle n'a jamais été une seule fois en retard de sa carrière. Ils décident donc de l'appeler directement chez elle pour être sûr que tout va bien, sauf que personne
ne décroche. Au début, tout le monde pense qu'elle est juste malade, ou qu'elle est en retard, ou qu'elle a eu un pépin sur la route. Et là, hop, on switch rapidement de perso, puisqu'à ce même moment, Roland se réveille la tête dans le poing et réalise tout de suite qu'il a raté une opportunité en or de reconquérir son ex. Il prend son courage à deux mains et décide d'appeler Cheryl pour lui dire tout ce qu'il avait prévu de lui avouer la veille, sauf que celle-ci ne lui répond pas. En réalité, ce matin-là, Roland, il n'est pas content du tout. Il est même très en colère parce qu'il sait qu'il a raté une grosse occasion de se faire pardonner et que son master plan, il est tombé à l'eau. Durant la journée, Roland, il commence même à s'inquiéter de plus en plus parce que Cheryl ne lui a toujours pas répondu et il commence à croire que quelque chose lui est arrivé. Et dans la soirée, il appelle même le shérif de la ville pour signaler sa disparition. Il lui fournit aussi un double des clés de la maison de Cheryl et la police va faire un tour chez elle. Quand ils rentrent, ils se rendent compte que personne n'est à la maison. Mais aussi, rien n'a bougé, rien n'a été volé et ils s'apprêtent à repartir alors qu'ils remarquent une lumière rouge qui clignote sur le téléphone fixe de la maison. La lumière indique qu'un ou plusieurs messages a été laissé. Il appuie sur play et les écoute. Le premier message, c'est celui de sa fille qui lui dit juste bonne nuit, puisque cette nuit-là, en fait, sa fille dormait chez Roland. Les suivants sont des messages de clients qui demandent pourquoi Cheryl n'est toujours pas arrivée au travail. Ensuite, c'est Roland qui lui demande pourquoi elle répond pas à ses messages. Et le dernier, c'est celui d'un inconnu qui lui dit « Bonjour, j'ai retrouvé ton sac à main dans le lac, plus précisément à Lake Union. J'aimerais bien te le rendre, mais tu me réponds pas. Rappelle-moi. » Et là, gros problème, parce que Lake Union, ça se trouve à 2 heures de route de chez Cheryl, et on la voit mal faire autant de route dans un endroit qu'elle connaît pas en pleine nuit. Forcément, la police se rend tout de suite là-bas pour tenter de retrouver la voiture, puisqu'elle n'est pas garée dans son allée. Il y a un autre problème qui frappe directement les policiers, c'est que Lake Union, c'est très populaire. Genre, il y a des milliers de personnes qui y circulent chaque jour, et en plus, la voiture de Cheryl, c'est littéralement la même que n'importe quel américain moyen. Heureusement, 3 jours plus tard, la police retrouve la voiture de Cheryl sur un parking à côté de Lake Union. Et déjà, ce qui est étrange, hein, c'est qu'il n'y a aucune trace de Cheryl. La police, elle décide donc de regarder s'il y a des affaires dans son coffre qui pourraient peut-être les aider à comprendre ce qui est arrivé. Et ça, on va le comprendre très rapidement, puisque son corps est dans le coffre. Elle est morte, son visage est roué de coups, et vous allez voir qu'il faudra plus d'une décennie pour résoudre ce mystère. La police se penche naturellement sur Roland, qui est immédiatement suspecté, surtout que le bougre a quand même organisé potentiellement tuer l'ex-mari de sa maîtresse, mais en fait il a un alibi en béton puisqu'il n'était pas à Lake Union la nuit du meurtre, il y a plusieurs témoins qui affirment qu'il n'y était pas, et en plus Roland il est super coopératif, il signe tout de suite les papiers pour les autoriser à fouiller ses affaires et tente vraiment un maximum d'aider, donc il est rayé de la liste directe. Un an après sa mort, la police est contactée par un journaliste qui affirme avoir reçu un appel d'un jeune homme affirmant avoir tué Cheryl. Malheureusement, il a raccroché avant d'avoir donné son nom, et au final, il faudra attendre 10 ans de plus avant qu'un détenu se décide enfin à parler et annonce aux forces de l'ordre qu'il sait exactement qui a fait le coup. Le nom de l'assassin, c'est Frederick G. McKee, et c'est un ancien compagnon de cellule qui dit avoir entendu toute l'histoire. La police prend alors un échantillon d'ADN de Frederick et le compare avec celui trouvé sur le scotch qui était utilisé pour attacher Cheryl. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est un match parfait. Tard dans la nuit de sa disparition, Cheryl rentre tranquillement chez elle lorsque Frederick lui tend une embuscade. Il la force à entrer dans le coffre de sa propre voiture, lui ligote les mains avec du scotch et la frappe de toutes ses forces jusqu'à ce qu'elle décède. Il jette ensuite son sac à main dans le Lake Union, garde sa voiture avant de prendre la fuite. Et le pire dans cette histoire, c'est que ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. Vous vous rappelez du super plan de Roland pour reconquérir sa dulcinée? C'était ça le plan. En fait, Roland, il devait arriver pendant l'altercation avec Frederick, il devait vite fait le maîtriser, le foutre par terre, et de base, Cheryl devait se réfugier dans ses bras et tomber à nouveau amoureuse de lui. Sauf que cette nuit-là, Roland il s'est levé trop vite et s'est évanoui. Et comme il avait pas dit à Frederick que le plan c'était de la sauver, bah en fait il lui a tout simplement demandé de kidnapper sa femme. Le mec a pas posé de questions et il a dit oui. Et comme Roland n'est pas venu pour la sauver cette nuit-là, et voyant que Cheryl se débattait énormément, bah elle a pas eu d'autre choix que de la tuer. C'est juste horrible de se dire que la vie de cette pauvre femme, qui était un ange, a tenu à un ex-mari qui s'est levé trop vite. Bien entendu, ils ont tous les deux été condamnés à 20 et 40 ans de prison. Les amis, j'espère que l'histoire vous a plu, moi je l'ai trouvé incroyable, et on passe directement à la troisième histoire.
Cette histoire commence encore une fois dans une petite ville américaine nommée Strongsville dans l'Ohio, et en 2016, avec deux résidents qui sont installés depuis bien longtemps, Melinda et Bruce Plekovich, cette journée-là, ils apprennent une super nouvelle puisque leur fille Anna et leur gendre Jeffrey leur annoncent qu'ils vont être grands-parents d'une petite fille. Malgré la joie, Melinda et Bruce, ils sont quand même assez inquiets parce que le jeune couple n'a pas beaucoup d'argent. Leur fille, elle habite encore chez eux, et son petit ami, il travaille en tant que technicien de service et ne gagnait pas assez d'argent pour supporter les besoins de tout le monde. D'ailleurs, lui aussi, il est tellement en dèche qu'il vit encore chez ses parents. Étant des gens très gentils, ses parents proposent alors à Jeff de venir habiter chez eux en attendant que leur situation financière s'améliore. Et quelques temps plus tard, Jeff fait donc ses bagages et emménage chez les parents d'Anna. Et quasi instantanément, il y a des choses très étranges qui vont commencer à arriver quotidiennement dans la maison. Tout commence 3 jours après avoir emménagé. Alors que Jeff et Anna sont seuls à la maison, Jeff y regarde à travers la baie vitrée, et dans ce fameux jardin, il y a Jeff qui voit 4 autres personnes debout en train de les regarder par la fenêtre, et ils sont totalement immobiles. Dans un sens, ils font rien de mal, mais d'un autre côté, ils empiètent quand même sur une propriété privée, ce qui est interdit. Un peu pris de panique, Jeff y décide d'appeler la police, mais le temps qu'ils arrivent, les 4 individus sont déjà partis, et le soir en rentrant, il a tout raconté à Bruce et à Melinda, qui ont aussi trouvé ça très louche. Petite ellipse temporelle, 5 mois plus tard, Anna accouche d'une petite fille, et un jour où elle est toute seule à la maison en train de s'occuper de son bébé, elle entend la porte-fenêtre vibrer. Un petit peu comme si quelqu'un essayait d'entrer. Sauf que la porte, elle est verrouillée, donc ça s'ouvre pas. Anna se dit qu'il s'agit de Jeff ou de son père qui ont oublié les clés et qui tentent de lui faire savoir qu'ils veulent entrer. Et du coup, Anna prend son bébé dans les bras et se dirige vers la porte vitrée pour l'ouvrir. Et en arrivant devant, c'est pas Jeff ou ses parents qui tentent de rentrer, mais un total inconnu qui essaie de forcer la porte et qui a son visage collé sur la vitre pour regarder à l'intérieur. Et lorsqu'il remarque que Anna l'a vu, il se cache immédiatement derrière un mur. Pris de panique, notre ami se dit que si le mec continue à pousser sur la porte comme il le fait, il y a moyen qu'il arrive à rentrer et elle est seule à la maison avec son enfant. Donc elle prend aucun risque, elle monte directement à l'étage, elle s'enferme dans sa chambre et elle appelle la police. Évidemment, lors de leur venue, les policiers ne trouvent rien du tout, l'inconnu qui essayait d'entrer a disparu et les parents d'Anna rentrent directement du boulot pour rester avec elle le reste de la journée. Même si concrètement il n'y a rien d'horrible qui s'est passé, dans la famille tout le monde est en flip et se demande qui était cet homme et s'il avait ou non un lien avec les 4 personnes qui avaient vu Jeff au travers de la baie vitrée. En plus, cette histoire elle a pas trop de sens parce que Melinda et sa famille ils sont très appréciés de tout le monde en fait, et ils n'ont jamais eu d'ennui avec personne. Et c'est même l'inverse parce qu'en fait Melinda elle est enseignante au collège et elle est adorée par tous ses élèves, et elle a aussi une équipe de foot qu'elle coach et avec qui ça se passe super bien, et elle s'occupe même de son garçon atteint d'autisme avec qui ça se passe super bien et à qui elle offre une vie superbe. Donc qui pourrait vouloir du mal à ces gens tout à fait charmants? Pendant 2 mois, la famille va rester au calme, il n'y a rien de particulièrement louche qui va se produire, et 2 mois plus tard, la voiture de Bruce est vandalisée et malheureusement son PC portable qui était à l'intérieur a été volé. Mais personne ne retrouvera jamais l'individu qui a fait ça ni l'ordinateur de Bruce. Les mois qui suivent vont vraiment devenir un enfer pour la famille. D'ailleurs, il y a une des clés de la voiture de Melinda qui va aussi mystérieusement disparaître et la personne qui les a volées va s'amuser à faire sonner l'alarme de sa voiture à 3h du mat de manière random juste pour effrayer la famille. Et en plus de tout ça, on retrouve des punaises plantées dans les pneus de la voiture de Bruce. À bout de solution, Melinda va poster un message sur Facebook en demandant aux gens qui les harcèlent de cesser leurs agissements et de leur rendre les clés de sa voiture. Et bien sûr, vous en doutez, mais ça changera absolument rien du tout. Le 23 octobre, Jeff, il est accompagné de Bruce et de sa petite fille, qui a maintenant 1 an dans l'histoire, et décide tous d'aller manger à Applebee's, qui est une chaîne de restaurants dans laquelle Anna travaille. Ils font leur petit repas tranquillement, ils embrassent Anna, ils rentrent à la maison, et à première vue de l'extérieur, rien n'a changé ou n'est bizarre. Mais c'est en rentrant dans la maison que Jeff va faire une découverte terrifiante. Au début, il passe en mode survie et instinctivement, il prend sa fille et il sort immédiatement de la maison et il appelle le 911. Son appel, il a d'ailleurs été enregistré. 911, what's the address of your emergency? Somebody's been attacked in my house. Somebody's been what? Attacked. What's the address? I'm home. 17784 Blazing Star Drive. 17784 Blazing Star Drive. They attacked who? Who was attacked? Someone get my fire. Mel Pluskovic. Mel Pluskovic was attacked. He was attacked by whom? Do you know? We just came home. She's on the kitchen floor. En allumant la lumière de la cuisine, Jeff y a vu Melinda.
allongé dans son sang, poignardé à de multiples reprises, 35 fois pour être précis, et avec 3 balles dans le corps. Faut savoir que malgré la brutalité et les individus mystérieux qui rôdaient autour de la maison, l'affaire ne va en fait prendre que 4 jours avant d'être résolue. Et voici ce qui s'est réellement passé. Alors que Jeff se prépare pour aller à Applebee's avec sa fille et son beau-père, il laisse sa fille quelques minutes dans son landau pour aller voir Melinda qui est dans la cuisine, et il sort alors un couteau de sa poche et il s'acharne sur elle en la poignardant 35 fois. Pendant que la pauvre femme se vide de son sang, Jeff y sort une arme et lui tire 3 balles dans le corps pour s'assurer de l'avoir tuée. Il éteint ensuite la lumière de la cuisine, il prend sa fille et il rejoint Bruce au restaurant, laissant Melinda avec Kyle, son fils autiste, seul avec le corps de sa mère qui est en train de décéder devant ses yeux et qui se vide de son sang. Et ne pouvant ni parler ni communiquer, Kyle est obligé d'attendre sagement l'arrivée de son père à la maison. On ne sait pas vraiment pourquoi Jeff il a commis ce crime et pourquoi il l'a fait de cette façon. Et il a jamais voulu s'exprimer sur le sujet. Mais on a quand même eu des pistes qui tendent à dire qu'en fait, il pouvait pas payer le mariage avec Anna et que Melinda l'avait déjà confronté sur ce problème d'argent. Et Jeff, en fait, il a tout simplement pété un câble et il l'a tué pour se venger. Et pour conclure l'histoire, on a découvert que c'était Jeff qui était l'auteur des mystérieuses apparitions et disparitions qui ont fait vivre l'enfer à la famille. Et en fait, soit Jeff, il inventait tout simplement avoir vu des individus dans la cour, soit il demandait à des amis de venir, ou soit c'était juste lui qui vandalisait la voiture de Bruce, qui a volé les clés de Melinda ou qui a cassé les fenêtres. Son plan était tout simplement de faire croire que la famille était attaquée régulièrement par des inconnus et de faire passer son meurtre sur le dos de ces fameux individus qui les harcelaient. Un plan qui en vrai aurait pu fonctionner si la police n'avait pas retrouvé l'arme du crime ainsi que les habits tachés de sang littéralement dans la voiture de Jeff. Mais qu'il est con. Voilà, j'espère que l'histoire vous aura plu, elle était plus courte que les autres je crois. Et bien sûr les amis, on va passer à la prochaine histoire. Cette prochaine histoire, accrochez-vous parce qu'elle est assez longue et surtout il y a plein de détails qui sont très mystérieux et qui prennent tout leur sens vraiment à la toute fin du récit. Tout commence dans un petit village anglais nommé Elmsley avec une dame qui s'appelle Yoshika Yuyasutake. Je ne sais pas le prononcer. Elle s'appelle Yoshika. Elle est actuellement chez elle et plus précisément chez ses parents. Elle est en train de nettoyer un piano et petite info qui aura son importance, mais en nettoyant les touches de l'instrument, elle prend garde à ne surtout pas appuyer dessus sous peur de jouer une note. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle déteste le nettoyer. Et en plus, sa vie d'avant lui manque énormément parce que Yoshika, c'était une pianiste hors pair. Elle donnait régulièrement des concerts et elle a même joué devant la famille royale, donc clairement, elle pèse dans le game des pianistes. Et malheureusement pour elle, ses rêves ont été un petit peu mis sur pause depuis que sa petite sœur est revenue vivre à la maison. Celle-ci se prénomme Rina et autant dire qu'elle a mis un sacré boxon dans la famille. En fait, depuis son retour, tout le monde ne se concentre que sur elle. Et en fait, on oublie tout le reste, ce qui frustre énormément Yoshika. Sous le même toit vivent Takahiro, le frère de Yoshika, Yoshika, sa maman et sa sœur Rina. Déjà, faut comprendre que tous les trois, c'est des génies. Genre Yoshika, c'est une pianiste renommée, son frère Takahiro, c'est un écrivain hors pair, mais aucun des deux ne rivalise avec Rina. La meuf, c'est une putain de génie. Pour la faire court, elle parle couramment le grec, le latin, l'anglais, le japonais. Elle a en plus créé son propre dialecte japonais avec un système de grammaire qui fonctionne, et comme si ça suffisait pas, elle est aussi artiste à ses heures perdues, et tout le monde s'arrache ses peintures qu'elle accepte de vendre que très rarement, ce qui augmente encore plus la valeur de ses œuvres. Et au passage, excusez-moi, elle décroche aussi une bourse à Cambridge. Bon, bref, on va pas l'associer pendant des heures, mais vraiment, c'est une personne très talentueuse. Le seul hic, c'est que parfois, elle a des crises de colère très impressionnantes où elle devient méconnaissable. Mais sa famille lui pardonne rapidement parce qu'en fait, elle est trop intelligente. Et on pense que c'est juste en fait son cerveau qui pète un câble à cause de son QI trop élevé. C'est toujours pas une blague. Hein. D'habitude, ses élans de colère passent assez vite, mais depuis son retour à la maison, Rina a bien sûr pété un câble, mais cette fois-ci, c'est vraiment différent. Elle est restée fâchée et sa famille a beau lui demander ce qui se passe, ça fait des semaines qu'elle est énervée contre tout le monde et que personne ne sait pourquoi. D'ailleurs, ça fait aussi depuis des semaines qu'elle s'était enfermée dans sa chambre et depuis ce jour, Rina a complètement changé. Elle refuse de parler à qui que ce soit, incluant sa famille, excepté en cas d'extrême nécessité. Et cette nouvelle façon de vivre va lui plaire puisqu'elle va le faire pour pendant 10 ans. Mais c'est pas plus fou, ça fait vraiment que commencer. Hein. Lorsque Yoshika elle finit de nettoyer le piano, elle se dirige vers la
chambre de sa sœur et elle toque très doucement pour ne pas dépasser un volume sonore qui pourrait déranger Rina, qui avait interdit à toute la famille de faire trop de bruit, et notamment à Yoshika de jouer du piano. C'est pour ça qu'elle doit faire super attention quand elle nettoie les touches, pour ne pas appuyer dessus et faire trop de bruit, sous peine de rendre furieuse sa sœur. Un putain de low kick dans ta chambre, je t'en foutrais des bruits. Après avoir toqué, Yoshika doit compter jusqu'à 30 dans sa tête avant de recevoir une réponse à travers la porte de la part de Rina, qui l'autorise ou non à entrer. Cette fois, elle a de la chance, elle lui dit qu'elle peut venir, et Yoshika, elle ouvre doucement la porte, elle entre dans cette chambre totalement sombre, éclairée avec des fins rayons du soleil filtrés par les volets, quasiment fermés par les rideaux tirés. En gros, on voit rien du tout, et Yoshika, elle n'est pas venue dans la chambre pour Rina ou pour discuter. Oh non, sacrilège. Elle est venue pour débarrasser sa montagne de vaisselle qu'elle laisse pendant des jours dans sa chambre, puisque Rina ne fait pas la vaisselle. On s'y attendait pas. Au passage, Yoshika, elle fait très attention à ne pas avoir de contact visuel avec Rina, sous peine de l'énerver. Elle ramasse vite fait la vaisselle sale, elle referme doucement la porte derrière elle, et c'est ciao. Bon, heureusement, j'ai envie de dire, toute sa famille ne subit pas son caractère horrible pour rien, parce qu'en fait, Rina, elle est en train de travailler sur l'œuvre de sa vie. Elle dit que c'est une pièce de maître unique et grandiose qui lui prend littéralement des mois, d'où les règles de ne pas déranger, pas faire de bruit et être sa servante H24. D'ailleurs, pas le temps de se reposer, puisqu'à présent, Yoshika et son frère, Takahiro, ils doivent se rendre au supermarché. Régulièrement, Rina fait une liste de choses à lui acheter, qu'elle donne uniquement à son frère, étant donné que Rina et sa sœur ne s'entendent pas bien du tout. Et sur leur chemin vers le magasin, Yoshika et son frère tentent de se camoufler un maximum, et vous verrez pourquoi dans un instant. Ils cherchent de l'alcool médical, un livre sur la lecture des lignes de la main, et ils rentrent à nouveau chez eux. Devant la porte, le frère et la sœur n'ouvrent pas avec une clé, car ils ont interdiction formelle d'en avoir une sur eux. Ce serait trop dangereux en fait s'ils la perdaient, que quelqu'un pourrait venir chez eux et voir l'œuvre inaboutie de Rina. C'est donc leur mère qui vient leur ouvrir en déverrouillant les 4 verrous de la porte. Yoshika dépose ensuite les courses devant la chambre de sa sœur, qui entr'ouvre doucement la porte et en sort un bras frêle et blanchâtre pour récupérer le sachet du supermarché tel un rapace. Bon, à présent, on va passer à une partie qui est bien plus sombre et bien plus tragique, donc un peu de sérieux, s'il vous plaît. Calmez-vous. Un jour, alors que Yoshika lit un livre dans la cuisine, elle entend au loin une conversation entre son frère et Rina, un peu en mode messe basse, chacun d'un côté de la porte, et qui chuchote des trucs pour qu'elle n'entende pas. Elle se rapproche discrètement sans se faire voir, et elle entend une phrase prononcée par son frère qu'elle ne comprend pas du tout. Comment tu comptes t'y prendre? C'est pas logique. Comment ça, seulement ton âme? Rina, intriguée par la conversation, décide de s'approcher davantage, et cette fois-ci en faisant signe de la tête à son frère de lui expliquer ce qui se passe. Mais si, vous savez, le fameux... Mais dès qu'il la voit, il arrête de parler direct et il s'en va. Les jours qui suivent, Rina demande à son frère de devenir son cuisinier personnel. C'est donc lui seul qui doit lui préparer ses repas, et Yoshika ne peut s'empêcher de remarquer que de plus en plus, la nourriture reste sur l'assiette. Ce qui l'inquiète énormément puisque ça veut dire que Rina ne se nourrit quasiment plus. Lorsqu'elle en parle à son frère, il lui explique juste que tout est sous contrôle et que ça fait partie de son œuvre incroyable, et que si jamais elle veut en faire partie, elle peut l'aider en allant acheter plus d'alcool médical. Et Yoshika, ne voulant pas faire d'histoire, elle accepte et elle va au magasin acheter les fameuses bouteilles dont sa sœur a besoin. Les jours passent et la consommation d'alcool médical de Rina triple. C'est vraiment des litres et des dizaines de bouteilles qui entrent dans sa chambre et qui ne ressortent jamais. Et c'est pour une bonne raison, puisque Takahiro lui explique que l'œuvre est sur le point d'être accomplie et que Yoshika peut dès à présent discuter avec Rina de l'autre côté de la porte et se réconcilier. Elle se met donc près de sa chambre et même si elle ne reçoit aucune réponse de Rina, elle lui raconte des souvenirs d'enfance et elle sait que sa sœur l'écoute, ce qui lui fait déjà un bien fou et ce qui la motive à aller lui acheter encore plus d'alcool médical pour finir son projet. Un beau jour de septembre, quelqu'un frappe à leur porte et de l'autre côté, c'est un agent de police qui l'attend. Il lui explique qu'on a signalé une situation très grave chez elle et qu'ils doivent tout de suite agir. Et effectivement, la situation elle a l'air assez sérieuse parce que derrière lui, il y a genre plusieurs autres agents, une ambulance et des fourgons. La maison elle est rapidement envahie par les forces de l'ordre et bien évidemment, lorsqu'il toque à la porte de Rina, personne ne lui répond. Et toute la famille le supplie de ne surtout pas entrer car son œuvre n'est pas encore achevée. Bien sûr, les policiers, ils s'en fichent complètement, ils rentrent et quand ils sont à l'intérieur, il y a l'un d'entre eux qui a des nausées et un brancard qui est tout de suite amené dans la chambre. Il faut vous en douter, mais le brancard, il est pour Rina. Tout a commencé lorsque Rina s'est recluse dans sa chambre et a commencé à arrêter de s'alimenter. En fait, elle pensait que son âme suffisait à la nourrir tellement elle était intelligente et douée. Et c'est d'ailleurs là que son frère lui a répondu « Comment tu comptes t'y prendre? C'est pas logique. Comment ça seulement ton âme ?» Mais l'histoire va beaucoup plus loin parce qu'on découvre que les bouteilles d'alcool étaient en fait destinées à être versées sur le corps de Rina afin de lui permettre d'accomplir son œuvre. Le problème, c'est qu'un jour, Rina a commencé à ne plus répondre à son frère et c'est alors qu'il a compris que le temps était venu d'achever le projet de Rina et de recouvrir quotidiennement d'alcool médical son corps. Lorsque la police est entrée dans sa chambre, ils ont retrouvé le corps de Rina, putréfié,
devenu quasiment translucide à cause de l'alcool. La raison pour laquelle Rina ne répondait plus à sa sœur, c'est tout simplement parce qu'elle est morte depuis déjà 6 semaines. Et c'est le caissier qui voyait Yoshika et son frère venir régulièrement acheter de l'alcool qui a prévenu la police suite à l'odeur de putréfaction intense qu'il dégageait. Et en fait, l'œuvre de Rina, c'était d'aboutir à se transformer en momie et du coup de pourrir sur son lit. Malgré l'horreur qui s'est déroulée dans cette maison, il n'y a personne qui sera jugé coupable et mis derrière les barreaux parce que la famille de Yoshika, elle va être jugée inapte à comparaître parce qu'en fait, devant le juge, ils ont ouvertement expliqué qu'ils devaient l'aider à nourrir son âme pour finir son œuvre et que c'était évident qu'ils étaient totalement fous. Et tout commence avec une femme nommée Leonarda Chiangkyuli. Encore une fois, raciste. Mais je suis italien donc j'ai le droit. Accompagnée de son mari et de ses enfants, il déménage dans une petite bourgade du nord de l'Italie nommée Correggio. Faut vraiment que j'arrête. Dans les années 1930, il y a un énorme tremblement de terre qui ravage leur ancienne maison ainsi qu'une bonne partie du village et qui tue par la même occasion quasiment tous leurs voisins. Ils se retrouvent à la rue et ils décident de tenter le tout pour le tout et d'aller emménager à Correggio. Et en fait, ils avaient littéralement plus rien. Ils arrivent vraiment en espérant que les gens du village là-bas puissent les aider le temps de retrouver une situation stable. Et effectivement, lors de leur arrivée, tous les villageois y viennent leur prêter main forte. Ils leur trouvent même une petite maison au bord d'un ruisseau. Ils aident Raphaël, le mari de Leonarda, à trouver du travail. Et ils aménagent même une façade pour la boutique de savon de Leonarda qu'elle fabriquait occasionnellement pour gagner un peu d'argent. À présent, un petit peu de backstory. Certes, le tremblement de terre qu'elle a vécu dans son ancien village est une vraie tragédie, mais c'est pas la première fois que notre amie elle vit quelque chose de traumatisant. En fait, Leonarda, elle est née dans la pauvreté, contre-intuitif parce qu'en fait, sa famille, elle est très riche. Mais quand la maman de Leonarda, elle est tombée enceinte, elle a été déshéritée et s'est retrouvée du coup à la rue, sans argent, et Leonarda, elle va clairement subir les représailles de sa mère qui la blâme pour tous ses problèmes. Parce que oui, Leonarda, il peut quelque chose d'être né. C'est normal. Et Leonarda, elle est donc du coup battue régulièrement par sa maman. Tiens là, ça t'apprendra à naître. Oh. En plus de son quotidien qui doit déjà être un calvaire, son papa meurt quelques années plus tard. Elle se retrouve donc coincée à la maison avec une maman abusive et complètement folle. Et petite ellipse, Leonarda a maintenant 21 ans. Elle rencontre Raphaël, qui deviendra son mari et le père de ses enfants. Mais à cette époque, il n'est qu'un beau jeune homme qui lui a tapé dans l'œil. C'est une image pour une fois. Petit problème, lorsque Leonarda présente Raphaël à sa mère, elle entre dans une rage folle et elle la maudit durant toute sa vie. Alors je sais que ça fait très magie noire et paranormal, mais elle va littéralement juste lui jeter un sort et la condamner à être suivie par un démon tout le reste de sa vie. Comme vous, Leonarda, elle y croit pas du tout à son histoire et elle décide juste de prendre ses affaires et de faire sa vie sans se soucier de ce que pense sa maman. Et qu'on y croit ou pas, mais les années qui suivent sont assez mystérieuses. Leonarda, elle va devenir très malchanceuse. Déjà, sans raison apparente, elle va commencer à avoir des maux de tête et même à faire des ruptures d'anévrisme spontanées. Et à chaque fois qu'elle tombe enceinte, elle perd le bébé. C'est super dur pour elle qui voulait juste construire une famille et qui commence à croire que si ça se trouve, elle est vraiment maudite. Pour en être sûre, elle décide d'aller voir une voyante et de lui demander si elle allait pouvoir avoir des enfants un jour. C'est à quoi la dame lui répond que oui, elle aura des enfants, mais ils vont tous mourir très jeunes. Et elle lui dit aussi qu'elle voit dans son futur les murs d'une prison et d'un asile psychiatrique. En sortant de la séance, Leonarda, elle est bouleversée et c'est pas prêt de s'arrêter parce que les années qui suivent, elle aura 14 enfants, dont 10 d'entre eux vont mourir bébé ou avant l'âge d'aller à l'école. C'est horrible parce qu'elle a eu le temps en fait de s'attacher et de les voir grandir et ensuite, il décède. De retour dans notre histoire qui, pour l'instant, se déroule pour le mieux, puisque Leonarda mène une vie plutôt paisible. Ses 4 enfants sont en bonne santé, elle adore Correggio, Raffaello a trouvé du travail en tant que greffier, il devient même très respecté dans le milieu, et Leonarda, elle vend des savons dans tout le village, et pour la première fois de leur vie, le couple devient stable financièrement. D'ailleurs, Leonarda, elle commence à s'intéresser à l'ésotérisme, à la voyance, à la magie noire, et troublée par l'expérience qu'elle a eue des années auparavant, elle commence aussi à échanger des savons contre des livres occultes à des passants ou des voyageurs qui n'avaient pas de quoi payer. Après avoir lu et appris tout ce qu'il y avait à lire et à apprendre sur le sujet, Leonarda, elle commence à proposer des services de voyance en plus de vendre du savon. Et vous savez quoi ?
Bah elle est super douée. Elle a des feedbacks de tout le village comme quoi ses prédictions sont super précises, elles s'avèrent vraies et au final bah elle se retrouve à aider des célibataires à trouver l'amour, à dire à des fermiers quelle culture planter et quand, et elle commence même à créer des potions pour guérir les malades au point où les gens vont même plus chez le docteur quand ils ont la crève, ils vont directement chez Leonarda. Tout va pour le mieux pendant des années jusqu'au jour où l'un de ses fils, Giuseppe, atteint l'âge de 17 ans et commence à avoir un comportement bizarre. De base, lui et sa mère ils s'entendent super bien. Ils passent des heures à discuter, ils prennent le thé ensemble, et un jour, lorsqu'ils rentrent de l'école, Leonarda, elle s'inquiète parce que Giuseppe, il lui parle quasiment plus. Il reste enfermé dans sa chambre la majorité du temps, il n'adresse plus la parole à personne, et Leonarda, elle va vite découvrir pourquoi, puisqu'un jour, lorsqu'elle se promène dans la rue, il y a une voisine qui vient lui demander comment elle a pris le fait que son fils se soit inscrit à l'armée, et surtout comment elle réagit par rapport au fait qu'il part à la guerre dans 2 mois. À préciser que nous sommes en 39 à ce moment-là de l'histoire, donc vous voyez sûrement dans quoi il s'engage. Complètement effondrée, Leonarda, elle se dit que la malédiction que lui a jetée sa mère, elle est de retour, et qu'elle doit trouver un moyen de s'en débarrasser au plus vite. Au début, elle tente d'aider les gens du village à régler leurs problèmes dans l'espoir que sa bonté puisse chasser les mauvais esprits. Elle va notamment prêter main forte à une connaissance nommée Faustina, une dame d'un certain âge qui cherchait désespérément l'amour, et Leonarda décide alors de l'aider à chercher un homme dans le village célibataire, et en fait ça se transforme en agence matrimoniale le truc. Et d'ailleurs, elle finit par lui trouver un mec, et aussi incroyable que ça puisse paraître, le match il est instant, et ils finissent même par se marier, et dans les lettres que Faustina lui a envoyées, ben, ils ont l'air très heureux. Seulement voilà, Leonarda, elle sait pas si c'est suffisant pour épargner la vie de son fils, elle décide donc d'aller aider une autre personne, une veuve qui s'appelle Francesca. Il s'agit d'une ancienne enseignante qui a perdu son mari et qui s'est retrouvée sans emploi puisqu'elle avait démissionné pour s'occuper de lui jusqu'à sa mort. Leonarda, elle envoie une lettre à sa famille du côté de sa mère et elle leur demande s'ils ont pas un petit job pour Francesca, et quelques semaines plus tard, elle reçoit une réponse et Francesca, elle est engagée pour travailler en Suisse pour la famille de Leonarda, et encore une fois, elle reçoit quelques lettres de son amie qui la remercie pour son aide. Leonarda, elle va encore aider une personne jusqu'au jour où la police vient frapper à sa porte pour lui expliquer un truc très étrange. En fait, ils lui expliquent qu'ils ont remarqué que toutes les personnes que Leonarda a aidées ont été portées disparues peu de temps après. Leonarda, elle comprend pas trop, surtout qu'elle reçoit des lettres de ces gens qu'elle montre à la police en leur disant que c'est impossible. Sauf que quelques semaines plus tard, la police frappe à nouveau à sa porte, mais cette fois-ci, c'est pour lui annoncer un truc pas ouf du tout. En faisant leurs recherches, ils ont réussi à retracer toutes les lettres et ont découvert qu'elles avaient toutes été postées depuis le même endroit. Une maison dans la pointe du village, et elles ont été postées par un homme de 17 ans, et vous l'aurez sûrement deviné, mais cet homme c'est Giuseppe. La police entre dans sa chambre, l'embarque directement pour l'interroger, et Leonarda le suit jusqu'au commissariat et demande à parler à l'inspecteur en charge de l'affaire, et va lui expliquer que son fils est innocent, pour une raison très précise. Et aussi fou que ça puisse paraître, les policiers vont vérifier chaque chose que Leonarda leur explique, et il s'agit bel et bien de la vérité. Giuseppe est innocent. Et voici pourquoi. Avant d'aller voir son futur mari, Faustina s'arrête chez Leonarda pour la remercier encore une fois de l'avoir aidée à trouver l'amour. Et pour la déstresser un peu, Leonarda lui sert un verre de vin rouge. Et après seulement quelques gorgées, elle commence à se sentir bizarre. Elle finit même par faire un malaise. En réalité, le vin était empoisonné. Et une fois Faustina à terre, Leonarda se munit d'une hache et la plante dans la poitrine de Faustina. Sauf que, aussi étrange que ça puisse paraître, Faustina, elle meurt pas tout de suite. Leonarda, elle reprend alors la hache et elle frappe son amie à plusieurs reprise dans le visage jusqu'à la tuer. Elle allume ensuite un grand feu dans la cheminée, elle découpe le corps de Faustina, draine le sang de son corps pour le mettre dans un seau, elle met ensuite les parties du corps dans un chaudron qu'elle pose sur le feu et y ajoute de l'hydroxyde de sodium, aussi appelé soude caustique, c'est en fait un dissolvant puissant utilisé notamment pour faire du savon. Elle met le tout à bouillir pendant des heures et la maison empeste la chair, son mélange horrible devient noir et visqueux. Elle jette le tout dans la fosse septique et attend que le sang de Faustina qu'elle avait gardé dans son seau coagule, donc qu'il devienne plus épais, pour le mettre au feu. Une fois le sang durci, elle le broie pour en faire de la farine qu'elle utilise pour cuisiner des gâteaux qu'elle donne à ses voisins et à son fils pour l'heure du thé. Elle a ensuite écrit des lettres adressées à son propre nom, puis a demandé à son fils de se rendre à la pointe du village pour les poster. Néanmoins, l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'une fois les preuves évaporées et mangées, elle se dit que son histoire de mélange qui devient noir et visqueux, c'est un fail monumental. Elle soupçonne Faustina d'avoir été trop maigre, et donc de ne pas avoir eu assez de gras pour que ça se mélange à la soude caustique correctement. Elle invente alors un second stratagème, cette fois-ci pour piéger Francesca, une ancienne enseignante devenue veuve,
qu'elle fait aussi venir chez elle. Leonarda la frappe avec une hache, la découpe en morceaux, draine son sang et mêle tout à bouillir. Et encore une fois, la soude caustique rend le mélange visqueux et puant et Leonarda n'a d'autre choix que de le jeter dans la fosse septique. Et puis Rebelote, elle fait de la farine avec le sang qui lui reste, elle fait des gâteaux qu'elle donne à ses voisines et mandate son fils pour aller poster des lettres qu'elle s'est écrites à elle-même. Toujours insatisfaite du résultat, elle décide d'inviter Virginia, sa meilleure amie, à boire le thé. Et vous connaissez le sort de la pauvre dame, à mon avis, elle va se faire empoisonner, tuer à la hache, découper en morceaux. Et cette fois-ci, lorsque son corps il est mélangé à la soude, sa mixture devient homogène. Elle y ajoute des huiles essentielles, des plantes, et son plan aboutit. Leonarda a enfin créé du savon à base de corps humain. Lorsque Giuseppe rentre cette journée-là, elle le nourrit à nouveau avec des gâteaux faits de sang de Virginia, et elle lui demande un truc très bizarre. Elle lui dit qu'elle veut lui donner un bain avec le nouveau savon qu'elle vient juste de faire, et bien sûr ce savon, il est à base du corps de sa meilleure amie. Elle va donc donner le bain à son fils de 17 ans, le nourrissant de gâteaux à base de sang, et en le lavant avec du savon humain. En réalité, Leonarda, elle avait compris que aider simplement son village n'était pas une offrande assez grande pour repousser les démons qui suivaient sa famille. Elle a donc décidé que la meilleure chose à faire serait un sacrifice humain. Elle s'est aussi convaincue que pour faire de la protection supplémentaire, elle devait laver son fils avec les corps des vies qu'elle offrait, d'où l'obsession de faire du savon avec le corps des gens qu'elle a tués. Et vous savez quoi? 2 mois plus tard, Giuseppe part quand même en guerre et sera soit tué ou expatrié à la fin de la guerre, puisque personne ne l'a jamais revu. Et la seule chose qu'il reste de lui, c'est cette photo avec sa mère durant son procès. Les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait plaisir. La prochaine étape, c'est les 100K et le trophée YouTube. Donc let's go les amis, on arrête de niaiser là. Pour ma part, on se retrouve dans une ancienne ou une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Juliano, ciao. Bon les amis, je voulais vous parler vite fait, comme ça, sans prépa, sans rien. Je voulais juste parler d'un truc qui m'a fait verser une larme. C'est Villebrequin. En vrai, c'est bizarre, mais Villebrequin, c'était ma vie. Ok, ça a l'air que j'ai pas de vie en disant ça. Mais vraiment, genre, ils ont fait mes journées. Quand j'allais à l'école, quand j'allais au travail, quand c'était dur, quand moralement j'étais tout seul, bah je mettais toujours du Villebrequin et ça me faisait toujours plaisir. En plus, j'ai une vraie passion derrière l'automobile et ils m'ont appris 85% de ce que je sais dessus. Et pour ceux qui suivent, il y en a peut-être pas beaucoup, il y en a peut-être qui sont là genre mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Villebrequin se sépare et ils ont fait une vidéo du coup il y a pas longtemps là-dessus. Et sincèrement, si vous êtes comme moi, juste écrivez en commentaire, c'est pas fini. Juste, c'est pas fini. Juste que je vois qui est avec moi et qui pense que c'était une des meilleures chaînes de YouTube Game, quoi. Allez, ciao.